Dans un instant, Fabien Damias reçoit Richard Ferrand. C'est le secrétaire général du mouvement En Marche, un fidèle de la première heure. Et c'est François Hollande qui est passé le saluer. Bonjour Monsieur Hollande. Oui. Bonjour. Je voulais saluer également. Je saluais Bérangère Bonte. Pardonnez-moi. Il y a des priorités dans la vie, vous savez. Oui, je voulais également féliciter, bien sûr, Richard. Richard, tu as été le premier à avoir le potentiel réel du gamin. Mais il y a une explication, Monsieur Damias, à cela. Richard Ferrand, peu de gens le savent, a été journaliste à Automoto. Et nous, avec Val, on ne s'est pas méfié. On a vu le gamin monter dans son auto-tamponneuse. On s'est dit, il va juste nous bousculer un petit peu. Mais il ne va quand même pas griller tout le monde sur la ligne d'arrivée. Eh bien si, il est arrivé à gagner un grand prix de Formule 1 au volant d'une auto-tamponneuse. Ce petit con. Je dis chapeau. Bon, écoutez, je vous laisse parce que j'ai des cartons à finir. Vous noterez que c'est la première fois que je fais un carton en politique. C'est bon. Surtout, je tiens à préciser une chose. N'attendez rien de moi. Richard, écoute-moi. N'attendez rien de moi pendant ma dernière semaine. J'ai pas l'intention de finir en sprint. Merci. Pas mal. Merci beaucoup, Nicolas Canto, contre 8h40. Dans un instant, c'est Richard Ferrand. On vous connaît pas très bien, monsieur Ferrand. C'est vrai que vous étiez journaliste à Automoto ? Oui, à mes débuts, c'est vrai. Ah, bah voilà. Bon, pour le reste, et des questions politiques. Mais en bosse, qu'est-ce que vous croyez, n'est-ce pas ? Il y en a qui ont eu un métier. C'est fou. Ah, il y en a qui ont eu un métier. C'est tout de suite la politique qui reprend le dessus. Vous répondez dans un instant aux questions politiques de Fabien Damias. C'est l'interview d'Europe 1, tout de suite.